Le soir de la mort de Johnny Hallyday, ce n'est pas Laetitia qui a prévenu ses enfants aînés de son décès. Le magazine Closer revient sur ce moment de douleur de la femme du taulier et sur les regrets de ses enfants. C'est le médecin qui lui annonçait la nouvelle. Le soir de la mort de Johnny Hallyday, ce n'est pas son épouse Laetitia qui a prévenu son fils David mais bien le médecin en charge de constater le décès du rocker. C'est ce que révèle cette semaine le magazine Closer. Trop choquée par le décès de son époux, Laetitia n'a pas été capable de téléphoner aux enfants aînés du rocker. Une heure après le décès, le 5 décembre dernier, le médecin appelle donc David Hallyday qui lui répond après un long silence « Je finis de dîner et je préviens Laura ». Le médecin propose alors de prévenir également Laura se met mais se voit essuyer le refus du musicien « Non, je vais dire de vive voix, je vais aller la voir ». Finalement David Hallyday passera la nuit chez sa demi-sœur, qu'il n'a pas cessé de soutenir depuis. Il s'est en effet associé à celle-ci quand elle a annoncé contester le testament de leur père, qui les déshérite tous deux au profit de Laetitia Hallyday. Le 30 mars prochain, les différents conseils de deux parties du clan Hallyday s'opposeront au tribunal de Nanterre concernant l'album à sortir de Johnny Hallyday. David Hallyday et Laura Smet demandent en effet un droit des regards sur l'œuvre posthume de leur père.